Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, les amis. Ah, super, je vous vois, les petits chamans. Comment allez-vous? Bienvenue à vous. Coucou Cathy, Elodie, Angélique, Cam. Coucou tout le monde, comment allez-vous? Hello, hello! Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Coucou Catherine! Oh mince Anne, toutes mes énergies de guérison pour toi. Bonsoir, comment allez-vous? Coucou Vivi, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Vivi et Hélène vers ton cœur, merci d'être là. Oh, Pauline, ben, bienvenue à vous les amis, je suis super contente d'être avec vous. Voyez, je vois pas du tout combien on est pour l'instant. Alors personnellement, j'ai bien profité de ma journée. Le temps était magnifique aujourd'hui, j'ai profité de la nature, ça m'a fait un bien fou, ça nous a fait un bien fou avec mon chéri que vous connaissez. Et là, je suis avec vous parce que mon chéri travaille. Et puis moi, j'avais envie d'être avec vous parce que je sais que pour beaucoup de personnes en ce moment, c'est pas facile. Et au-delà de ça, d'être avec vous tout simplement et de vous transmettre des messages parce que je sens qu'il y en a besoin et que ça me fait plaisir, que je suis en forme. Et voilà. Donc, merci les amis pour le nombre de personnes. Tant que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien, c'est super. Merci Hélène, solidamente. Je vais attendre un petit peu qu'il y ait peut-être un petit peu plus de monde, même si je ne vous ai pas prévenu. Vous savez que quand je fais un direct, je ne préviens pas. C'est vraiment comme les guidances, quoi. Je le fais au feeling quand c'est le moment et quand j'ai des choses à transmettre, tout simplement. Et puis comme ça, on ne se bouscule pas, même si j'aimerais bien tous vous avoir. Hein. Mais c'est vrai qu'après, le chat, je ne peux pas le gérer toute seule. J'ai pas encore de modérateur. Le son est bon. Ok. Comment vous percevez ces énergies, les amis? Comment les vivez-vous? Parce qu'on est tous différents et... Même si on est tous reliés, il y a des choses qu'on vit différemment, tout simplement parce qu'on a des expériences différentes, un vécu différent. Encore une fois, il n'y a pas de niveau, c'est une illusion, c'est juste qu'on a des expériences différentes. Et c'est juste. Donc, voilà. Grosse crise spirituelle. Ok, je crois que j'en avais parlé, ça, dans une guidance Géraldine, de cette crise spirituelle. Et après chaque crise... Eh bien, il y a une libération, une évolution, un changement de paradigme. Oui, c'est moi, Pocahontas. D'ailleurs, je sais pas si c'est toi, Sophie, qui m'appelle toujours petite Pocahontas, mais Pocahontas, c'était mon surnom quand j'étais petite parce que je ressemblais à Pocahontas. Et puis, en plus, c'est un de mes personnages favoris. Je cultive ma paix. C'est ça, exactement, les amis. C'est cultiver sa paix malgré toutes les situations que l'on vit. Le plus important, c'est l'acceptation, je l'ai toujours dit. Lâcher prise, qui est vraiment très compliqué parfois. Mais chaque expérience nous amène justement à se lâcher prise et à cette paix, malgré tout ce qu'on traverse en soi.
Introspection pour le moment nécessaire, apprendre à se faire confiance. Tes guidances me font bien fou. Merci Deb Deb. Je pense que c'est Déborah. J'ignore comment on gère la modération pour l'instant, mais je sais les amis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient l'être, mais il faut que je prenne le temps de le faire en fait. Et je sais qu'il y a mon chéri qui va le faire. Il faut qu'il soit en même temps. Et de mes proches, évidemment. Mais il faut que je mette ça en place, tout simplement. Et à chaque fois, j'ai beaucoup de choses à faire. Vous savez, mes journées sont très remplies. Et voilà, c'est selon les priorités. Alors, beaucoup de questionnements, beaucoup de fatigue, la fatigue aussi. Alors, la fatigue, c'est parce qu'il y a encore des résistances. Et tout est juste, d'accord? On vous permet d'enlever vos résistances, du moins les lâcher. Ah, c'est super. Et oui, Pocahontas. Donc les amis, j'avais envie de vous faire une petite guidance en fait pour savoir les messages qu'on a à vous transmettre, tout simplement, sans chercher d'autres thèmes, juste les messages pour vous. Et comme je dis toujours, hein, c'est général les amis, d'accord? C'est général que vous soyez là en live ou que vous le regardiez en replay. Ça ne peut pas vous parler entièrement ou pas du tout. Des fois, ça parle pas et tout est juste, d'accord? C'est quand on lâche le mental, Géraldine, et qu'on écoute son cœur qu'on sait faire la part des choses en fait. Et de toute façon, la vie va t'emmener là où tu dois cheminer. Et elle va te permettre de trouver en toi la réponse. Parce qu'on est tous différents et les messages de l'invisible, on les canalise tous différemment. D'accord? Donc, j'ai de la misère avec mon positionnement face à la situation concernant mes jumeaux de 10 ans. Aimerais que nous allons une vraie aide. Grande ouverture du cœur. Allez les amis, est-ce que vous êtes prêts? Je vois, je pense qu'on est 164, je vois. Et on va aller voir les messages pour vous du coup. Vous savez que dans ma dernière guidance énergétique, et je vous invite à aller la regarder si vous ne vous sentez pas bien, etc., vous pouvez l'écouter plusieurs fois si vous le souhaitez. Et à travers mes guidances, il y a des soins qui se font si tout est juste pour vous. Donc je vous invite à aller l'écouter. Et dans cette guidance, je parlais, évidemment, on parle de karma, de mémoire cellulaire, de mémoire de vie passée que vous êtes en train de nettoyer. Et je voyais des personnes se relever qui avaient été brimées, qui avaient été enfermées, qui avaient été. Vous voyez, c'est comme si des énergies, je voyais de la fumée sortir de terre pour purifier en fait. Et que ce soit d'un point de vue individuel comme collectif, c'est la même chose. C'est ce qui se passe en fait. Oh, c'est mignon, Sophie. Alors, je ne sais pas si je suis une potion magique. Mais en tout cas, je suis moi. Allez, on y va. On va regarder ça. Alors, j'ai pas encore. Ah oui, voyez en face ici. Ce que vous avez en face ici, c'est le soleil en géométrie sacrée. Donc, ça va nous transmettre de bonnes énergies pour vous permettre d'éclairer la situation, justement. Allez, on y va. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais commencer par quoi? Vous savez quoi? Je vais prendre, on va aller dans des vibrations hautes, hein, parce que vous avez besoin de rehausser vos vibrations, les amis. Donc, je vais prendre l'oracle Universoi que j'adore de Philippe Sarad, qui est médium magnétiseur.
Et on va lui regarder qu'est-ce qui se passe, quel message on a à vous transmettre. Dites-moi avant si vous m'entendez toujours bien. Pas faiblement, voilà, qu'on m'entende bien quoi. Parce que je n'ai pas de micro. Et j'ai pas de micro, les amis. Coucou Cédric, comment vas-tu? On m'entend bien, c'est parfait, on peut commencer. Commençons dans de bonnes conditions. Allez, c'est parti. Les messages pour vous. Les messages pour vous, les amis. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre en gros maintenant? Ici et maintenant. Prenez bien l'énergie du soleil. Allez, c'est parti. Alors là, il y en a deux. Donc ça ne me va pas. J'entends la chanson, je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil. Oh là là, les amis, je vous envoie du soleil. Allez, s'il y en a une qui veut, je vais aller la couper. Vous voyez, je vais aller faire une coupe pour vous. Allez, message pour vous. Hop, on va prendre celle-ci qui est dessus. Allez, c'est parti. Alors, on a cette carte. Je crois qu'elle était déjà venue dans la guidance, justement, message énergétique. Donc, vous voyez, on l'a encore. Hein. Vous ouvrez les bras ici à une nouvelle énergie. On a l'énergie de la liberté ici. D'accord? Alors, j'ai l'impression qu'au niveau énergétique, vous vous ouvrez de plus en plus à... Vous sortez, vous brisez une carapace, d'accord? Vous brisez... comment vous dire ça? Ouais, il y a l'ouverture du cœur ici. Pour moi, c'est vous ouvrez les bras. Même si c'est désagréable, d'accord? C'est pas parce que c'est désagréable. Et voyez, on a le 19. Le 19, c'est le soleil. Hein, qui est en face de vous, là. Donc, même si c'est désagréable, eh bien, vous avez fait un choix. D'accord? Le choix de vous métamorphoser ici, de mettre une fin. La fin d'une situation, la fin d'un cycle, la fin, c'est une fin. Donc je vais vous lire la carte. Qui a prononcé le mot fin? Point d'interrogation. Oui, en fin de compte, il n'y a pas de fin. Il y a toujours un recommencement. Mais la vie n'est qu'une succession de métamorphoses. Pas de fin, pas de mort, juste des transformations. Accueille cela, voyageur. Et plus aucun rivage, plus aucune falaise ne sera pour toi infranchissable. Donc ici pour moi, on vous demande d'accueillir cette transformation, cette métamorphose, et que la vie est faite de succession de métamorphoses. Et quand on l'accueille, quand on est dans l'accueil de ça, et ben ça se passe mieux, voyez? Et on est en paix, comme je vous disais tout à l'heure, et aucune situation... qui nous arrive, qui arrive vers nous, que l'on vit, comment vous dire, ne nous impacte. Parce qu'on l'accepte, tout simplement, encore une fois. Et je vois que vous allez de plus en plus vers une acceptation là. Que ça n'a pas été évident, que vous avez dû lâcher des poids hein, avant d'en arriver là. Mais que là,
voyez, vous ouvrez un petit peu plus. Alors pour certaines, c'est vraiment très désagréable hein, dans le corps. Vous allez ressentir des douleurs au niveau du corps, au niveau du ventre, de l'intestin, du dos. Enfin, pour chacun, c'est différent, mais des douleurs au plexus solaire ici, c'est pas pour rien qu'on a le soleil, hein. Des douleurs au plexus solaire, c'est parce que ça s'ouvre. D'accord? Je vous parlais de ce nouvel espace en vous que vous ne connaissez pas. Eh bien, il vous faut du temps pour l'accueillir, encore une fois. Donc, vous avez besoin de repos, beaucoup de repos, on me dit, hein. Beaucoup, beaucoup de repos. C'est pour ça qu'il y a une fatigue ici. Et voyez cet oiseau-là qui s'envole, il laisse derrière lui tous les résidus. Voilà, il y a encore des résidus que vous êtes en train de lâcher là, à mesure que vous avancez. C'est comme des petites, ouais, des résidus, on me dit. Des énergies résiduelles. D'accord? Des mémoires résiduelles. Des mémoires résiduelles, encore une fois. Donc, eh ben, c'est douloureux au niveau du corps, voyez, parce que votre corps, en fait, il s'habitue, il est en train de s'habituer à une nouvelle vibration, à une vibration plus haute. Donc, pour moi, encore une fois, vous avez conscientisé quelque chose, mais votre corps, en fait, il est impacté parce qu'il y a encore des résistances. Mais vous allez vers cette ouverture de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et on vous dit d'accueillir cette énergie. D'accord? Ok les amis, on a ça. Et voyez, on a encore le 19, le soleil. Comme je vous disais, l'accomplissement, le fait de vous accomplir. Ok. On va en prendre une autre. On va en prendre une autre, les amis. Vous me direz au fur et à mesure si la lumière, il y a besoin de lumière. Hein. Même si je vois le retour ici, mais... Alors... C'est ça, acceptation. Vous acceptez de plus en plus ce qui est et ce qui n'est pas. D'accord? Vous lâchez. Vous ne pouvez plus fonctionner comme avant. Parce que vous avez conscientisé quelque chose d'important dans votre vie et ça sera différent pour chacun. D'accord? Mais c'est un fait. Et il y a besoin de temps pour l'intégrer dans votre corps, dans vos cellules. Et puis ça a engendré ici un nettoyage au niveau cellulaire. Au niveau de votre ADN aussi, il y a quelque chose au niveau de votre ADN. Bonsoir. Alors, on va en prendre une autre, on va faire comme l'autre, on va couper ici. Allez, qu'est-ce qui se passe, qu'est pas ça? Hop. Alors, si vous avez été stoppé comme dit Kalou 49, c'est qu'il y a une raison. Encore une fois, c'est que on vous pousse à faire ce travail sur vous avant d'aller de l'avant, avant d'aller vers un nouveau projet. Vous devez absolument accueillir quelque chose et mettre en lumière, je vous l'avais dit dans la guidance précédente, et c'est toujours les mêmes énergies encore, quelque chose que vous fuyez. Inconsciemment. D'accord? Donc, si vous avez des résistances dans votre corps, c'est que c'est pas encore intégré. Hein. Il y a des choses que vous avez conscientisées, mais il y en a une que vous avez fui. Allez, on a quoi ici? Ok, voyez la graine ici, elle est très jolie cette carte, je vais vous la montrer.
la graine dont je parlais dans une canalisation et que j'ai postée dans l'onglet communauté, voyez, ben cette graine, elle va pousser. Vous étiez encore dans la terre. Vous étiez encore dans la terre. Ici, vous deviez arroser cette graine d'amour, les amis. D'amour. Et vous avez fui une partie de vous, et cette partie de vous, il fallait poser de l'amour dessus. Parce que jusqu'à présent, soit vous l'avez renié, soit vous l'avez mis de côté, soit vous l'avez fui, encore une fois, encore par pour survivre, d'accord? Vous quittez le mode de survie ici. Et je réitère ça depuis des mois dans mes guidances et je continuerai parce que c'est dans les énergies et que ça continue. Donc, vous ne pouvez plus aujourd'hui, comme vous devez évoluer, en fait, on met en lumière cette partie de vous que vous avez fui. Ça peut remonter à une vie antérieure et donc du coup, ben, c'est dans votre inconscient, hein. Il y a des choses qui remontent, hein, à travers votre corps, à travers plein de... Ça sort en fait, voyez, ça sort. Donc, il y a des gens qui vont, je ressens faire des purges, des choses comme ça. En fait, c'est une sorte de purge, une purge énergétique en fait. Donc, c'est possible aussi que vous fassiez une purge au niveau de votre alimentation. Observez autour de vous une purge au niveau de vos relations, au niveau... Il y a une purge, voilà. Tout dans l'univers est de nature divine. Tout est juste et à sa place. C'est ça. Considère chaque élément de ta vie comme un cadeau merveilleux. Ce que vous êtes en train de vivre, même si c'est désagréable, que ce soit une crise ou autre, comme je l'ai vu dans le chat, c'est un cadeau merveilleux pour grandir, les amis. Tout dépend de comment vous le voyez et comment vous avez envie de le voir. Si vous avez envie de le voir comme un blocage, comme une énergie qui vous met des bâtons dans les roues, vous vous désidentifiez de vous, vous désolidarisez de vous, vous vous séparez de vous et dans ces cas-là, ben, vous vous perdez. Si vous décidez de prendre ça comme un cadeau merveilleux pour grandir, évoluer, c'est que vous reprenez votre pouvoir personnel, que vous êtes dans l'accueil et que vous ne luttez plus. Une fleur extraordinaire d'évolution. C'est ça, une fleur d'évolution. Jusqu'à présent, vous étiez encore dans la terre. Vous venez à peine de sortir de terre ici. Voyez? Donc, la graine, quand elle est dans la terre, elle est protégée, hein? Elle est à l'abri, elle est dans le noir, elle est dans la terre. Elle est protégée quelque part. Elle est dans son cocon, voyez? Mais quand elle pousse, elle est à la merci du vent, du soleil, des éléments, elle est vulnérable en fait cette fleur. Et il faut du courage à cette graine pour fleurir et grandir. Et vous êtes sorti de votre zone de confort, vous êtes sorti là, tout a été fait pour que vous sortiez de terre. Parce que ce mode de survie vous a laissé un petit peu dans la terre ici, quelque part. Même si vous avez grandi, cette graine, elle a grandi, grandi, grandi dans la terre, voyez. Mais vous étiez en mode survie. Et encore une fois, tout est juste. Qu'est-ce que ça veut dire survivre? C'est échapper à la mort. Donc, votre âme, vous avez eu peur à un moment donné dans votre vie, quand vous étiez enfant, dans une situation, de mourir après un choc, etc. Donc, c'est comme si vous vous étiez protégé quelque part. Protégé. Et tout a été fait pour que cette protection, encore une fois, qui est juste, hein, parce que vous étiez à votre juste place, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas... C'est comme ça. Mais vous avez décidé de grandir, vous avez décidé d'évoluer, vous avez pris une décision, vous avez fait un choix, et ce choix vous mène ici à une évolution extraordinaire. Parce que vous faisiez de la résistance à grandir en fait. Vous savez, il faut du courage pour se mettre en lumière.
Parce qu'on a peur. Parce que vous aviez peur d'être confronté à quelque chose en particulier. Alors tu prendras conscience de la perfection de l'existence. Et comme vous sortez de terre, vous vous rendez compte en fait au fur et à mesure que vous avez les ressources, que vous êtes capable d'avancer, que vous êtes capable d'appréhender telle ou telle chose, que vous avez l'énergie, les ressources en vous. Ici, il y a aussi beaucoup d'énergie, on voit, hein, solaire, ici. Beaucoup de puissance dans l'énergie. Et ces énergies, en fait, elles viennent, comment vous dire, l'énergie de feu ici, vous impacter ici pour que vous, vous reveniez quand même à vous, pour que vous vous ressentiez, recentrez en fait, dans votre évolution. Yes, les amis. Voyez, on a les énergies aussi lunaires là. Hein. On a l'impression ici, les énergies lunaires ici vous poussent, poussent à grandir, poussent à grandir. Et ça fait mal, voyez. La graine, avant de sortir, ben, elle casse, voyez. Elle se brise. Il y a quelque chose qui se brise de l'intérieur pour que une nouvelle pousse, pour que la pousse, elle sorte en fait. Donc votre corps, c'est pareil. Votre corps, il est impacté. Votre corps, c'est votre. Vous en avez besoin sur cette terre, d'accord? Et il est impacté. Et c'est normal. Il est chahuté. Parce que jusqu'à présent, ben, c'est comme si vous protégiez vos énergies. Et le feu, je vous l'ai dit dans la dernière guidance. Hein. Encore une fois, allez voir la dernière guidance, les amis. Message énergétique. Ça va vous allez comprendre certaines choses. Mais rien ne vaut une séance privée, évidemment. Mais voilà, je pense que ça vous parlera. Ok, on va continuer. Alors, je regarde un petit peu le chat quand même. Enfin, j'ai eu peur de grandir. Mais voyez, cette peur, vous vous y confrontez, Rose. Pour ne plus avoir peur, justement. C'est une mémoire. Une mémoire, et chacun a ses mémoires. Il y a des mémoires qui nous impactent plus. Allez, on va continuer avec d'autres oracles. J'espère que ça vous parle en tout cas, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre, hop, désolé de passer devant vous, l'oracle de l'âme. Rayonne de toute la lumière, c'est ça les amis. Vous allez rayonner de toute votre lumière ici. C'est le but. Que vous ne soyez pas cette graine qui ne pousse pas, qui est encore dans la terre, voyez? C'est dommage. Vous avez besoin de sortir de terre. Vous sortez là de terre. Et comme vous sortez de terre, ben, vous êtes impacté par tous les éléments. Pour vous adapter, pour vous jauger, pour voir comment quelles sont vos ressources, etc. Donc forcément, ça ne va pas être agréable, d'accord? C'est normal. Hop. Vous prenez votre courage à deux mains et vous vous dites, bon, maintenant, il est temps de sortir de terre, hein. Il est temps de m'exposer au monde. Et de rayonner. Parce que vous êtes une belle fleur, magnifique fleur.
fleur extraordinaire d'évolution, les amis. Allez, c'est parti, on continue, on continue. Alors, donc on vous dit que ce que vous vivez n'est pas une fin, mais une métamorphose. J'avais même donné la... Vous voyez l'image de la goutte qui rejoint l'océan. C'est un peu ça, vous êtes cette petite goutte de rosée hein, qui est tranquille sur une feuille. Et vous avez peur de quitter cet endroit. Mais vous descendez de plus en plus. Et vous voyez l'océan en bas. Et vous savez pertinemment que vous allez devoir rejoindre l'océan. Mais vous luttez, en fait, il y a des résistances. Parce que vous avez peur de perdre quelque chose, peur de... C'est normal. Et cette petite goutte, eh ben, elle va tomber, rejoindre l'océan et grandir. Et devenir encore plus... Vous avez besoin d'expansion, en fait. Vous avez besoin de lumière, d'accord? Parce que jusqu'à présent, vous avez grandi dans la terre. Mais vous avez grandi. Maintenant, on vous demande de grandir dans la lumière. Ah, le pouvoir des fleurs. J'adore cette chanson de Laurent Voulzy. Changer les âmes, changer les fleurs avec des bouquets de fleurs. L'amour au vent, nanana, grâce à des fleurs des champs. Alors Cam, là dans ce que je ressens, c'est que toi tu t'empêches de grandir par rapport à tes fils, mais tes fils ils ont leur cheminement, leur évolution et je sais que c'est pas facile, mais toi tu te sacrifies là pour eux. Et on te dit est-ce que tu veux continuer dans le sacrifice ou est-ce que tu veux penser à toi? Parce que tu leur donnes pas, eux, l'opportunité de grandir, montre-leur à tes enfants. C'est quand toi tu te sens heureuse et quand tu seras libérée, que tu pourras leur transmettre quelque chose. Donc tu peux rejoindre l'océan et quand tes fils seront prêts, ils rejoindront l'océan. C'est leur cheminement, mais toi tu ne peux pas t'empêcher d'être qui tu es. Et moi j'ai quitté des gens, et ce n'était pas mes enfants puisque je n'ai pas d'enfants, mais on est tous reliés au fond et voilà, on a des gens à qui on tient. Et très fortement, et j'ai dû quitter des personnes pour rejoindre l'océan, et je l'ai fait, voilà. C'est douloureux, mais ça fait partie de l'évolution. Allez, on continue les amis. C'est ça, fragment d'âme. On a la carte fragment d'âme, ici. On a la carte 28. Réunification, nouvelle faculté, connexion à une part de soi. Je vous l'ai dit, hein, vous vous connectez à une part de vous. Une part de vous qui n'était pas dans la lumière. Vous voyez, et cette jeune fille, en fait, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, et vous vous reconnectez à cette part de vous qui était éteinte quelque part. Que vous aviez éteinte et qui se rallume, en fait. Donc, c'est une nouvelle connexion, c'est un fragment d'âme, c'est une partie de vous dont vous avez été séparée, que ce soit dans votre enfance, dû à un choc psychologique, un accident, une mémoire de vie antérieure, voilà, de vie antérieure, etc. Vous allez récupérer ce fragment d'âme et vous êtes en train de le mettre en lumière. Et c'est merveilleux, même si c'est pas facile, les amis, d'accord? On ne dit pas que c'est simple. Donc, il y a une réunification, vous êtes en train de vous unifier en vous.
Vous avez de nouvelles facultés. Il va y avoir de nouvelles facultés qui vont apparaître, des facultés que vous aviez, mais qui étaient endormies, encore une fois, parce qu'il vous manquait cette part de vous à vous connecter avec. D'accord? Donc vos facultés, quelles qu'elles soient, vont réapparaître, apparaître. Vos facultés, vos connaissances de vie intérieure, de... Voilà, voyez? Ben, vous allez vous y connecter et ça commence déjà. Déjà, parce que vous êtes sorti de terre, justement. Donc là, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes connecté au ciel. Le ciel, c'est quoi? Ben, c'est le divin. C'est tout ce qui est relié à votre chakra coronal, votre troisième œil, votre reliance, en fait, vos capacités. Donc ce fragment d'âme, vous êtes en train de le regarder, vous êtes en train de l'apprivoiser, vous êtes en train de l'accepter, de l'accueillir pour le réintégrer en vous. Tout simplement. Et c'est très beau, les amis. C'est ça, une part de moi qui n'était plus en lumière, ça résonne, je me disais, je ressentais que mon potentiel n'était pas déployé au maximum. C'est ça, les amis, votre potentiel, en fait, il va se déployer après ça. C'est l'évolution, c'est votre évolution. Alors attendez, hein, parce que là... hop. Je vais faire quelque chose. Là. Bloqué. 4 heures. Ok les amis, on continue. Bonjour à tous, c'est commencé depuis longtemps. Depuis un petit moment, ma belle Estelle. Bienvenue à toi. On va continuer, hein. On va continuer, on va prendre une autre carte. Alors là, j'ai vu qu'il y avait des trolls, mais c'est normal, les amis, hein. Les trolls n'aiment pas la lumière. Allez, on continue, on continue. Donc il y a de nouvelles facultés, de nouvelles connaissances qui sont mises en lumière et qui vont être mises en lumière. On va prendre une autre carte. Le portail du cœur. Alors ça, c'est extraordinaire. La reliance au cœur. Alors, Marc-Aurélie, c'est amusant, les consoeurs parlent aussi actuellement d'une réconciliation avec des parts d'ombre oubliées. Ben, c'est pas amusant, c'est juste que c'est la réalité. Et tant mieux si on y est connecté. Fil d'or, il me semble, entre autres. Ah, je ne sais pas. J'ai pas regardé encore, j'ai pas eu le temps de regarder mes consoeurs, mais je regarderai avec grand plaisir. Et si on est connecté entre nous, ben, tant mieux. Justement, ça a plus d'impact. Alors, ici, on parle du portail du cœur. Réunion don de soi sacré. Oui. Ici, encore une fois, on a réunion, réunification, vous voyez, et ça passe par le cœur. Donc, c'est possible, je vous l'ai dit tout à l'heure, que vous receviez des énergies très, 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 très fortes, en fait, en vous, au niveau du plexus et du cœur. Voilà. Du plexus et du cœur. Et il y a eu un portail, il n'y a pas longtemps, où selon votre... ben, c'est différent pour chacun, vous voyez, il n'y a pas un portail en particulier qui vous a... c'est vous, en fait. Vous saurez quand,
Hein, il y a eu un portail, un changement ici avec la carte 32. Et on parle de réunion d'en dessous et de sacré. Ça vous permet en fait de retourner dans votre espace sacré. Votre espace sacré, c'est votre cœur. D'accord? Votre cœur a été impacté. Donc, il se peut que vous receviez vraiment des fréquences, des choses qui sont vraiment très fortes ici. Hein. Je le ressens. Une pression, voilà comme il dit Yann, c'est ça. Une pression pour certains. Ça travaille. Hein. Peut-être parce que vous aviez fermé votre cœur, encore une fois, mode survie. Voyez, pour vous protéger. Votre cœur a été impacté. Et il est en train de s'ouvrir à nouveau. Donc ça peut chambouler, évidemment. Hein. Le cœur, c'est... Oui, le portail du cœur, c'est le portail de l'âme pour moi. Tout passe par le cœur, d'accord? On manifeste par le cœur. Donc, votre cœur avait été impacté d'une manière ou d'une autre, encore une fois, par un choc, etc. Vous avez perdu ici un fragment d'âme dont vous êtes en train de vous reconnecter, de mettre en lumière, et du coup, votre cœur s'ouvre. Votre plexus solaire ici aussi. J'ai senti le plexus solaire, tout la poitrine en fait, tout. Et on voyait être à sa place, j'entendais être à sa place. Le portail, c'est votre cœur. Vous ouvrez votre cœur. C'est de là où tout vous réceptionnez et vous donnez. C'est un... Ouais, il y a quelque chose qui vient vraiment vous transpercer là. Encore une fois, ce sont les énergies actuelles ici auxquelles vous êtes confrontés. Mais encore une fois, ça vous permet justement de rehausser vos vibrations, les amis. D'accord? Même si vous avez l'impression que ce sont des énergies basses, oui, parce que ça fait remonter des mémoires, des énergies basses. Mais c'est pour vous propulser en fait, c'est pour vous sortir de ça, de ce marasme en fait, de cette limitation, de cette graine qui a besoin de fleurir. C'est pas pour rien que j'ai mis ce soleil et on m'a dit mets le soleil en face de toi. Totalement ça pour le plexus ces derniers temps, dès qu'il y a du soleil, je lis dans mon jardin le pouvoir du moment présent. Ah oui, Eckhart Tolle, oui. Pouvoir du moment présent, exactement. Donc ici, c'est, j'entends explosif. Donc pour certaines personnes, ça doit être explosif. Hein. Dans le sens où ça sort, quoi. Vous avez besoin de dire les choses, vous avez besoin de montrer en fait qui vous êtes, que vous êtes à votre place. Donc il y a pour certaines, il y a une forme de rébellion, mais une rébellion saine. Mais qu'il va falloir canaliser. En fait, vous êtes en train de canaliser votre énergie en même temps. Ça s'ouvre et il y a comme une canalisation qui se fait. Le canaliser votre énergie, en fait. Donc, il y a toute une harmonisation qui est en train de se faire. Donc, il ne faut pas se précipiter, les amis. Ça ne sert à rien de vouloir aller plus vite. Acceptez les choses. Encore une fois, plus vous allez lutter contre et moins ça ira. Essayez de noter, de tenir un journal où vous notez votre état... vos émotions, qu'est-ce que vous ressentez, et d'être dans l'accueil, de dire j'accueille ces émotions, j'accueille ce que je ressens, de vous poser en fait, de prendre le temps d'accueillir tout ça, et vous allez voir que ce n'est qu'un passage. D'accord? C'est transitoire, c'est une transition. Ok, on va changer d'oracle les amis. J'espère que vous voyez bien les cartes et que vous voyez bien. Il y a encore de la lumière, j'espère. Je vais regarder un petit peu. Là. Allez, on continue. Je vais prendre Manifeste le positif de Aurélie Damia Sotus. Donc au niveau émotionnel, forcément,
Pour certains, peut-être que ça fait les montagnes russes, vous voyez? C'est les montagnes russes. Vous êtes en train d'appréhender votre nouveau vous. D'accord? Vous ne le connaissez pas encore. C'est normal. Vous voyez? Donc, soyez dans l'accueil. Allez. On continue. Et n'oubliez pas les petits pouces, les amis. C'est pas que des petits pouces, vous voyez, c'est un merci, c'est une gratitude sous la vidéo. Ne l'oubliez pas, les petits cœurs, c'est une chose là, mais allez, n'hésitez pas. Hein. C'est juste, Aurélie, besoin de dire à la famille ce qu'on l'on pense, que certaines personnes veulent faire autorité. C'est ça, vous vous libérez en fait d'une mémoire de sacrifice, de, voyez, où vous avez été enfermé, de maltraitance, de... De tout ça en fait. Et vous avez des signes de vos guides en ce moment. D'accord? On vous envoie des signes. Des signes, des synchronicités. Oh, merci Victoire, c'est gentil. Allez. Donc continuez d'avancer les amis. Ne lâchez pas. Vous êtes en train de faire un travail extraordinaire là, de vous faire un cadeau extraordinaire. Vous vous donnez l'opportunité de grandir et de sortir de terre et de révéler votre belle lumière, votre beauté intérieure et extérieure. C'est une libération importante. Et si vous le vivez aujourd'hui, ben soyez fiers de le vivre parce que même si c'est douloureux, ben voyez où vous allez. C'est incroyable ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Donc, continuez. Voyez, c'est plus compliqué de voir la vérité, de lâcher des choses, de se libérer, que de rester dans le déni, dans la zone de confort, de faire comme si de rien n'était, de fermer les yeux. Ça, c'est moins douloureux, voyez. C'est facile, au fond. Même si c'est... douloureux aussi, mais c'est plus facile, voyez. Mais là, vous avez choisi de sortir de tout ça. C'est votre choix. C'est votre choix d'incarnation. C'est votre âme qui l'a choisi. D'accord? Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, soyez fiers de vous, même si ça chamboule. Vous n'êtes plus soumis, vous n'êtes plus enfermé, vous n'êtes plus cloisonné, vous n'êtes plus... dans l'ombre. Et quand je dis dans l'ombre, vous avez évolué quand même dans l'ombre, hein, dans le mode de survie. Dans le mode survie. Mais il est temps de sortir. Allez. Message pour vous, les amis. Ouais, je vous l'ai dit, hein, chakra de la gorge. Donc, ça passe par l'expression. L'expression de soi. Là, vous libérez une mémoire de soumission, d'inquisition, de plein de choses, d'enfermement, à travers le chakra de la gorge, mais plus précisément à travers l'expression de soi. Mais pas dans la rage ou dans la colère. C'est ça, en fait, que vous transmutez. C'est pas exprimer dans la rage et dans la colère, c'est l'exprimer dans la paix. Et pour l'exprimer dans la paix, eh bien, il faut traverser ce que vous êtes en train de traverser. D'accord? Sans perte d'énergie, sans perdre votre énergie, sans vous rabaisser à d'autres énergies que les vôtres. C'est ce que vous êtes en train de faire. Alors ça, fleur délice, il faut aller regarder en thérapie ou
avec quelqu'un, pourquoi tu ressens de la colère et de la fatigue pour pouvoir le conscientiser et le libérer. Mais si tu ressens de la colère et de la fatigue, il faut l'écouter tout simplement. La colère te raconte quelque chose, une histoire, comme je dis souvent. Et il ne faut pas la rejeter. La colère, les émotions ne sont pas négatives. Elles viennent pour nous raconter une histoire que l'on doit écouter. C'est tout. Donc prends ton temps. Si tu comprends pas, ben c'est que pour le moment, ben c'est pas le cas, mais tu vas comprendre au fur et à mesure. Ici, expression de soi. Donc exprimer votre liberté, votre souveraineté, mais plus dans la colère, plus dans voilà. Cette colère, il faut, vous l'avez appréhendée, vous l'avez écoutée, ou si ce n'est pas encore fait, on vous demande de le faire, que ce soit la colère ou autre, hein, il y a d'autres choses. En tout cas, c'est l'expression de soi. L'expression, en fait, vous libérez cette mémoire qui était dans l'ombre ici. Mais vous ne savez pas encore comment l'exprimer totalement, qu'est-ce qu'elle renferme, comment vous dire, vous commencez à peine à le mettre en lumière. Pour certains. Oui, je vous l'ai dit, vous changez de vibration. Pour changer de vibration, ne plus, vous n'allez plus vibrer de la même manière. D'accord? Ah oui, ça fait mal. Mais tellement de bien en même temps. Adieu les schémas, le sacrifice et les non-dits. C'est ça, exactement. Bel et bien terminé, ce qui est génial dans cette paix, de dire sans se sentir mal. Exactement, c'est ça. Parce que quand vous parliez avant, quand vous vous exprimez, c'était dans la réaction. Vous voyez, j'ai mon chakra-gorge qui travaille, donc c'est ça. Pour certains, vous vous exprimiez dans la réaction. Vous réagissiez à cette part qui était dans l'ombre, qui n'était pas encore éclairée. D'accord? Vous réagissiez face à ça. Or là, elle est mise en lumière. Donc vous n'allez plus être dans la réaction puisque vous allez l'écouter, la reconnaître, donc l'accueillir. Et donc du coup, vous n'allez plus réagir de la même manière et vous exprimer de la même manière. Vous allez vous exprimer dans la paix, tout simplement. Et c'est extraordinaire, vous changez de vibration, les amis. On va faire comme ça. Hop. Bonjour Aurélie, j'ai toujours été en colère et depuis que j'ai coupé avec ma famille, je peux exprimer les choses en paix car je ne suis plus enchaînée. C'est ça. Donc, ben, tu as coupé avec ta famille, énergétiquement peut-être, pour exprimer les choses, tout simplement. Donc, tu as fait un choix, tu t'es reconnue. Toi, tu t'es plus fait passer avant les autres, vous faites plus passer avant les autres. D'accord? Vous vous occupez de vous. Super victoire, ah ben c'est génial ça. Je vous l'ai dit déjà, les amis, dans mes guidances, il y a des soins qui se font et donc du coup, vous pouvez ressentir des choses dans votre corps, des vibrations, des choses comme ça. C'est normal. Allez, on continue. Acceptation du présent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est d'accepter ce qui est et ce qui n'est pas au moment présent. D'accord? De vous laisser, de vous foutre la paix en fait, dans ce que vous vivez ici. Parce que c'est pas facile, parce que vous ne connaissez pas, parce que vous ne connaissez pas encore la finalité, que vous voyez les incertitudes comme la carte de la guidance précédente. Mais vous ressentez les choses. Ça amplifie votre. L'ouverture de votre troisième œil, vos ressentis, d'accord? Ça amplifie ici vos nouvelles facultés qui sont en train de sortir de terre, les amis. D'accord? Donc on vous dit d'accepter ce qui est au présent.
Vous vous exprimez depuis votre cœur, mais plus dans la réaction en fait, dans la surréaction, la réaction. Merci Pilar, c'est très gentil, je suis ravie. Alors, quelle est votre force dans ce parcours, dans ce que vous êtes en train de vivre? Quelle est votre force? Quelle est votre force? Vous me voyez bien, les amis, toujours? C'est pas flou, hein, ce que je vois. J'ai l'impression que c'est flou. C'est peut-être moi. C'est peut-être comme ça que vous voyez, un peu flou en ce moment. Votre force, c'est de prendre du temps, je vous l'ai dit. De prendre du temps pour vous, de prendre du temps d'intégrer, de prendre le temps, de faire une pause. Une pause, les amis. Vous voyez, vous ne voyez pas encore. Vous ne voyez pas encore la finalité de cette transformation ici, de cette réunification. Mais elle est là et on vous dit de prendre le temps. Ça, c'est votre plus grande force. Ça sera votre plus grande force. Allez. Quelles sont vos plus grandes forces? En fait, Asia, il faut pas dire il faut. Il faut jamais dire il faut. Même si des fois on le dit machinalement, sans s'en rendre compte, c'est vrai. Je choisis de laisser le temps au temps, c'est mieux. C'est un choix. Il faut, c'est une obligation. C'est comme si on vous obligeait à le faire. Donc non, je choisis de laisser le temps au temps, c'est mon choix. C'est pas une obligation, ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de moi. Je reprends mon pouvoir personnel. C'est moi qui choisis. Alors, votre plus grande force. Oui, Shirley, ça fait douter, mais justement, ça entraîne chez nous à développer d'autres capacités que de voir la finalité. Ça permet de ressentir, de nous connecter au divin, à nos compétences, à notre troisième œil. Ça permet de retrouver la paix dans l'incertitude, tout simplement. Et c'est pas aisé, mais c'est comme ça qu'on se sent en paix. Et c'est ce que vous avez choisi apparemment comme d'autres. Quelle est votre plus grande force? Merci Yann. C'est très gentil, je suis ravie. Allez, quelles sont... Ah, ben ce qu'on vous dit, c'est de d'écrire une lettre de souhait à l'univers par rapport à ce que vous souhaitez ici. Vraiment. D'accord? Alors, il y en a certains, ils vont me dire, oui, mais Aurélie, je le fais déjà. Oui, mais peut-être qu'il faut que ce soit plus clair dans vos demandes. D'accord? Pas la finalité, mais sur le chemin. Qu'est-ce que vous souhaitez sur votre chemin pour traverser votre chemin plus en paix? Voyez ce que je veux vous dire? Coucou Vivi! Oh, un gros bisou à toi aussi d'amour. Et bonne nuit à toi, je te fais de gros 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 bisous et je t'envoie beaucoup d'amour. Donc n'hésitez pas, ça fait partie aussi de vos forces et vos guides, ils vous disent de vous reposer aussi sur vous parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler.
Et eux peuvent reprendre le contrôle. Libre à vous de dire je m'en remets à l'univers, je m'en remets à eux, et pour m'envoyer ce que j'ai besoin de réceptionner à ce moment précis pour mon évolution. Voilà. Donc c'est ça que vous traversez en ce moment, les amis. D'accord? On va prendre ici l'oracle des archétypes. Les cartes des archétypes. Je vais boire un petit coup d'eau. Parce que parler, 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 parler. En canalisation, ça. On se déshydrate. Bon, donc vous allez avoir besoin de plus en plus d'exprimer les choses, mais pas dans la réaction. Et c'est ce que vous êtes en train de travailler. On va voir ce que vous quittez, les amis, avec l'oracle, les cartes des archétypes. On va voir ce que vous quittez. En même temps que j'écoute votre guidance, je viens d'écrire avec le cœur et mes émotions cela. Eh bien, la pression du niveau chakra cœur s'est apaisée. Super, Yann. Il est très réactif, Yann. C'est super. Il pose les actions très, très vite. Ça, c'est une force, Yann. C'est super. Chloé. Ah non, Frédéric, c'est pas que l'univers ne veut pas, c'est que tu as besoin d'autre chose, mais c'est pas ce que tu souhaites pour grandir. Parce que là, tu demandes quelque chose en fait. Comment te dire? C'est dans ce que je ressens. J'ai déjà écrit l'univers pour une demande sentimentale, mais rien. L'univers ne veut pas. Probablement parce que tu veux quelque chose sans sortir de ta zone de confort ou. On te dit juste de demander à l'univers ce dont tu as besoin, toi, pas lui, pas la personne en face de toi, qu'elle te donne quelque chose. C'est ce dont toi tu as besoin pour aller vers. C'est pas pareil. J'espère que je me fais bien comprendre. C'est un peu compliqué dans un live. Allez, qu'est-ce que vous quittez, les amis? On va regarder l'énergie que vous laissez derrière vous. L'énergie que vous laissez derrière vous. Oh, vampire énergétique, tu m'étonnes. Encore une fois, hein. L'énergie, ben, tout ce qui vous vampirise, tout ce qui vous met en perte d'énergie, tout ce qui vous pompe de l'énergie, vous-même, hein, qui vous pompez de l'énergie, à vouloir tout contrôler, tout analyser. Voilà, voyez? Ben, c'est ça que vous quittez, en fait. Une survie psychique. Vous quittez une survie psychique. Des plaintes chroniques. Le fait de se plaindre. D'être dans la victimisation pour certains. Et encore une fois, ce n'est pas un jugement. Il suffit de le voir. Et pour en sortir. Parfois, on ne le voit pas. Donc pour certains, vous quittez des plaintes, de la victimisation, une codépendance, tout ce qui vous pompait de l'énergie et qui faisait que vous n'étiez pas avec vous, ni réunifié, ni réconcilié, mais que vous alliez chercher à l'extérieur des réponses dont vous aviez besoin de regarder à l'intérieur. Cette part d'ombre dont je vous parle depuis tout à l'heure qui a été mise en lumière. Autant faut-il l'accepter, l'accueillir. Voyez? Donc, eh bien, les amis, vous laissez derrière vous tout ça. Ben oui, c'est pas pour rien que vous œuvrez en ce moment. D'accord? J'entends aussi de vouloir sauver la terre entière. Voilà, pour certains, c'est ça. Je quitte le rôle du sauveur d'aller sauver la terre entière. Je me sauve moi-même. Je comprends que je dois me sauver moi-même. Je me séparer de moi, en fait.
Je n'avais pas la moindre idée où je le savais, mais je continuais de le faire. Et je reviens à moi. Donc du sacrifice. Vous voyez? Qu'est-ce que vous quittez, les amis? Qu'est-ce que vous quittez? J'espère que ça vous parle, en tout cas. Alors, qu'est-ce que vous quittez? Alors là, il y en a trop. Hop là. Le saboteur. Ben ça, c'est une bonne nouvelle. Vous quittez le mot de saboteur. Vous vous sabotiez, les amis. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Vous étiez le petit saboteur. Hein? Donc certains, j'entends, oui, c'est les autres qui me sabotaient, en fait. Mais c'était un effet miroir pour vous dire que vous vous sabotiez quelque part. Il y a une partie de vous que vous ne regardiez pas et que vous étiez en train de vous saboter. Encore une fois, c'est une part d'ombre, donc c'est parfois inconscient. Il faut faire un travail sur soi, aller voir un thérapeute, hein, ou voilà, tout simplement. Alors, la peur d'être autonome et des changements que cela apporterait dans sa vie, je vous l'ai dit ici, la faim, les changements, avoir peur des changements, donc on se sabote, on procrastine, on reste dans sa zone de confort parce qu'on a peur de ce qui pourrait arriver, hein. La peur de tomber, la peur de l'échec, tout ça quoi. Hein, le petit saboteur derrière là. Allez, hop, out. Entraîne des comportements autodestructeurs ou le désir d'ébranler les autres. Donc pour certains, vous aviez un comportement autodestructeur que vous allez mettre en lumière. Hein, d'accord ? Et encore une fois, pour savoir pourquoi, il faut faire un travail sur soi, aller voir pourquoi. Parfois, on ne le sait pas, hein, qu'on est saboteur, qu'on se sabote, qu'on s'auto-détruit quelque part. C'est un mode, un conditionnement pour survivre, encore une fois. Eh bien, voilà, c'est une peur. Eh bien, vous le laissez derrière vous. C'est chouette. Non seulement vous laissez des énergies lourdes derrière vous, mais en plus de ça, vous laissez le petit saboteur qui était en vous et vous reprenez votre pouvoir personnel, hein, face aux effets miroirs que vous aviez avec des personnes qui vous ont mis ça en lumière aussi. Et bien, vous avez la réponse d'Emma Glolo. C'est que vous voulez voir la vérité, et voir la vérité, ça fait mal parfois. Donc, eh ben oui, ça fait mal. Mais au moins, on a en conscience. Donc, c'est pas que les ENFOIRES vont trop bien. C'est qu'ils sont dans le déni, qu'ils ne voient pas, qu'ils ne veulent pas voir, grandir, etc. Mais grandir, comme je l'ai dit tout à l'heure, sortir de terre, ça implique être en lumière. Et être en lumière, c'est pas facile. D'accord ? Parce qu'on est confronté à beaucoup de choses. Mais ça nous ramène à nous. Et à devoir gérer tout ça. Donc, il ne faut pas dire ça. Pourquoi les font bien alors? C'est parce qu'en disant ça, c'est comme si tu te séparais de toi et que tu restais fixé sur ces personnes-là au lieu de regarder en toi. Toi, pourquoi ton travail que tu fais sur toi est bon? Et pourquoi, pourquoi tu souffres? Mais pour du bon, en fait. Oui, c'est ça, Marc Aurélie, c'est ce que je viens de dire. C'est que tout ce qui se passe à l'extérieur se passe à l'intérieur, d'où les effets miroirs, tout simplement, qui nous ramènent à nous et à conscientiser ce qui se passe à l'intérieur de nous, reprendre nos responsabilités et se détacher des responsabilités des autres qui ne nous appartiennent pas et qui nous font perdre de l'énergie, ici, les vampires. Mais au fond, quand on est comme ça, c'est qu'on est notre propre vampire énergétique. Parce qu'on n'est pas aligné, tout simplement. Donc c'est bien, les amis, vous quittez tout ça, en fait. C'est super. Je vais regarder maintenant. Peut-être... qu'est-ce que je pourrais poser comme question ici?
Ouais, voir où vous dirigez ici. Allez, où vous vous dirigez les amis? J'espère en tout cas que vous êtes bien ici, hein. Moi, je suis bien avec vous, les amis. C'est toujours un bonheur d'être avec vous. Et c'est bien parce qu'on est un petit comité. Et donc, du coup, voilà. Et je fais un petit coucou aux amis qui passent en replay. Voyez? C'est génial. Le métamorphoseur, voyez où vous allez? Non mais c'est incroyable ce que je vois là sur cette carte. Vous voyez ici, on voit de la terre pour moi. Hein? Voyez, vous quittez la terre ici et vous montez, vous évoluez, vous vous métamorphosez là. Vous passez des étapes ici. C'est extraordinaire cette carte. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, félicitez-vous les amis de vivre ça. Soyez conscient du travail que vous êtes en train de faire. Le métamorphoseur, habileté à se déplacer d'un niveau de conscience à un autre, a le don de voir le potentiel en toute chose. C'est ça, vous allez voir le merveilleux en toute chose. En toute métamorphose que vous êtes en train de vivre, vous allez le prendre de plus en plus avec légèreté et dans l'accueil et l'acceptation. Voilà. Parce que dans la vie, il y aura toujours des métamorphoses, il y aura toujours des situations qui viennent qui viennent vers nous, c'est normal. Mais c'est comment on y réagit qui change. C'est vous qui changez face aux situations. C'est pas les situations qui changent. C'est vous. C'est ça, reprendre son pouvoir personnel. Donc ici, voyez, vous allez voir le potentiel, vos potentiels dans cette évolution, en fait, à mesure que vous avancez. Vous êtes un étudiant, on est tous des étudiants, on apprend. D'accord? Projette une image qui sert ses intérêts du moment. Oui, avant, vous pouviez trouver des subterfuges pour pallier à ce manque de confiance en vous. Donc, vous alliez aller chercher à l'extérieur, en fait. des subterfuges pour vous rester dans votre zone de confort tranquillement, voyez la graine et ne pas vous exposer quelque part, ne pas montrer telle ou telle part de vous ici. Or là, de plus en plus, l'expression de soi vous montrez tout ça et vous évoluez à mesure que vous montrez des parts de vous, vous évoluez et vous voyez les ressources que vous avez. Et qu'il n'y a pas à avoir peur. Donc c'est dans l'action que vous allez voir les ressources que vous avez. D'accord? C'est quand vous sortez de terre, encore une fois. Donc c'est génial là où vous allez, les amis. C'est super si ça résonne avec vous. Où c'est que vous allez, les amis? Où c'est que vous vous dirigez? Alors, on va prendre un autre oracle pour voir où c'est que vous dirigez. Il y en a un que j'adore. Hein. C'est l'oracle des astres et des plantes. Je le trouve complet. L'on vit dans les situations que l'on vit sont là pour nous faire grandir. C'est à nous de les accepter, d'accepter qu'elles sont là pour une raison, même si c'est douloureux. Et c'est jamais ce que l'on veut que l'on nous envoie, c'est ce que l'on a besoin pour nous transformer, pour évoluer.
Donc c'est pour ça que parfois vous êtes frustré ou entré en colère parce que ben c'est comme un peu un enfant capricieux qui n'a pas ce qu'il veut, voyez? Non, moi je veux ça, moi je veux ça. Pourquoi vous m'envoyez pas ça? Moi j'ai demandé ça. Eh bien, on vous envoie ce que vous avez besoin d'avoir pour évoluer. C'est ça en fait. Allez, on continue, les amis. Oh là, Aurélie, il y a un qui n'est pas dans la bienveillance sur les commentaires. Ah bon? Qui n'est pas bienveillant? Dites-moi le nom. Clément. Clément, Clément. Ah bon, il y a un Clément? Ah oui, Clément. Ah super, bonjour Clément, comment vas-tu? Tu es en colère? Qu'est-ce qui se passe? T'es pas bien avec toi? Oh, ben dis donc. Clément, il va pas bien. Envoyons de l'amour à Clément, les amis. Il en a besoin parce qu'il pas bien dans son cœur. Envoyons de l'amour à Clément. Clément, on t'envoie de l'amour à profusion parce qu'apparemment ton cœur est vide. Donc envoyons de l'amour à Clément, plein de petits cœurs à Clément, les amis. Je veux plein de petits cœurs à Clément. Clément, on t'envoie beaucoup d'amour parce que tu en as besoin. Voilà. Voilà, plein d'amour à Clément. Clément, on t'aime, Clément. C'est pas grave, t'inquiète pas. Dans la vie, on évolue. D'accord? Donc, s'il y a de la merde autour de toi, ben écoute, va vers ce qui te rend heureux, tout simplement. Voilà, Clément, plein d'amour et de lumière. Voilà, maintenant que Clément est rassasié d'amour, on continue, les amis. Alors. Oui, on t'enlace, Clément. T'en as besoin, hein. Oh oui, Clément. Pauvre petit Clément. Oh. C'est douloureux, hein. Clément, il n'est pas sorti de terre encore. On va lui envoyer beaucoup d'amour pour qu'il sorte un petit peu de terre. Parce que là, il s'est caché derrière le chat. Il s'est caché derrière un pseudo. Hein? Pour ne pas évoluer, être dans la lumière. Donc, envoyons de l'amour à Clément. Pour qu'il puisse sortir de terre comme vous êtes en train de sortir de terre, les amis. Qu'il ait le courage de sortir de terre comme vous êtes en train de le faire. Voilà. Plein d'amour, Clément. Oh là là, super, super. Merci les amis d'avoir envoyé de l'amour à Clément pour qu'il sorte de terre. Il avait besoin de regarder cette guidance, d'être là avec nous. Ouais, de la merde, et oui, il était dans son engrais, en fait, dans la terre, en fait, il ne voyait que la merde. Mais écoutez, là, il voit que l'amour, ça va lui permettre de sortir, de s'épanouir. Voilà. Merci les amis, vous êtes des amours. On continue. Oui, on l'arrose d'amour, c'est ça. Allons-y gaiement. Envoyons de l'amour à tous ces trolls, à toutes ces personnes qui n'en ont pas. Pas et qui viennent exposer leur mal, leur souffrance, et ils doivent en avoir vraiment besoin. Donc voilà, avec, oui, je le dis avec humour, mais je le pense vraiment, envoyant de l'amour à ces personnes. Ceci ne nous appartient pas, mais on est là pour ça. Allez, on continue les amis, on va voir où c'est que vous allez. Alors. Où c'est que vous vous dirigez, les amis? Où c'est que vous vous dirigez? On continue, on continue. Donc, on voit que vous vous métamorphosez. Que d'amour sur cette chaîne. C'est magnifique. Je vous aime, les amis. Soyez dans l'accueil des autres. Allez, c'est parti. On continue. S'il y a une carte qui veut bien sortir. Wow. Alors attendez, parce que là, il y en a deux. Je crois que je vais aller couper, faire une coupe en fait.
Hop. Allez, on va faire une coupe sur le métamorphoseur. C'est parti, qu'est-ce qu'on a? Le calme. Oui, vous avez besoin de retrouver le calme à l'intérieur. Je vous l'ai dit, les amis, on a l'énergie du scorpion ici. Vous enlevez le masque se fissure. Le masque ici, c'est vos protections. D'accord? Ce sont vos protections. Et ici, vous les transmutez avec l'énergie du scorpion. Hein, de la renaissance, si vous êtes en train de renaître dans un calme, je vous l'ai dit tout à l'heure, de ne plus réagir, de ne plus être dans la réaction et de se servir de tout ce que vous êtes en train de vivre comme propulseur. D'accord? Merci Amanda. Donc vous trouvez le calme à l'intérieur, vous devrez retrouver ce calme à l'intérieur. Et c'est là où vous vous dirigez en fait. Dans l'acceptation encore une fois de ce qui est et qui n'est pas. Et voyez cette carte, elle est vraiment extraordinaire, elle représente tout ici. Voyez cette personne-là, elle est en paix, elle est sereine, peu importe ce qui se passe. Elle est sortie de terre ici, voyez? La personne pouvait être dans la terre ici, non, elle est sortie de terre, voyez ses épaules, elles sont là. Elle est dans le cœur ici, on l'a vu, portail du cœur. Et elle évolue au fur et à mesure dans la paix et la sérénité. Même s'il y a des énergies extérieures, ces énergies extérieures, elles sont là pour vous montrer ce qui se passe à l'intérieur. D'accord? Oui, c'est ça, exactement, Marc-Aurélie. C'est pour ça on a la démonstration avec Clément qui a ici. Qui est le vampire, ce qu'on appelle les vampires énergétiques, mais ces vampires, en fait, ils ont besoin d'amour. Donc, il faut pas être dans le rejet. Ça veut dire qu'on rejette une partie de soi, en fait, si ça nous fait réagir, justement. Donc, il faut le prendre avec amour, avec humour, et envoyer de l'amour à ces personnes. Voilà. Tout en s'en éloignant, parce que c'est en s'en éloignant, tout simplement, en ne prenant pas la responsabilité du mal-être de cette personne ou des personnes qui sont en face de vous. Donc c'est mettre des distances saines. D'accord? C'est ne plus être dans la réaction mais l'acceptation. Ok les amis, on met encore... Je vais rajouter une carte ici sur le scutellaire. Vous me voyez toujours ou pas? C'est ça exactement au cœur de soi et c'est ça le conscientiser. Et ce que tu dis c'est chouette parce que tu es en train de le conscientiser, de le dire, de l'exprimer en fait. Donc c'est à toi d'y aller maintenant et je suis sûre que tu vas y arriver. C'est être conscient de ça et c'est une partie de la guérison tout simplement. Oui, super les amis. Baissez les armes. Je vous l'ai dit, vous aviez une protection, vous étiez dans un mode de survie. D'accord? De protection. De vous méfier, de méfiance. Donc vous n'étiez pas dans l'accueil de ce qui pouvait se passer. Vous voyez, un peu comme Clément qui est arrivé, d'être en accueil face à cette personne, d'accueillir ben, tout ça. Et de baisser les armes, parce qu'il n'y a pas d'armes à avoir. On n'est pas dans l'attaque, on n'est pas dans le... Ça ne sert à rien, en fait. Vous voyez? Ça ne sert à rien. Dans la réaction, dans l'attaque, ou dans la rébellion, ou dans le fait de réagir, encore une fois. Donc là, vous êtes en train de baisser les armes. Vous êtes en train de baisser les résistances. Et c'est génial, les amis. C'est là où vous allez. Et je suis très contente pour vous. C'est super.
Et regardez ce qu'on a en dos de deck. On a le renouveau. D'accord? Pour aller vers ce renouveau. Et c'est un processus. Ça se fait en plusieurs étapes selon ce que vous êtes prêt à accueillir et à accepter. Et tout est juste, d'accord? Encore une fois, on sort de terre ici. D'accord? Pour moi, le phénix, c'est le serpent qui se transforme en aigle et qui se transforme en phénix ici. Donc l'énergie du serpent est très importante ici. La mue, hein, la mue. Vous avez muté ici. Le serpent, il a muté. Il s'est transformé en aigle. Et cet aigle, en fait, il va se dépouiller, il va devenir ce phénix. Vers ce renouveau. Elle est trop belle, cette carte. Ce sont des cadeaux de la vie, en fin de compte. Comme on disait début de guidance, ce sont des cadeaux de la vie. D'accord? Ok. Alors, par quoi je vais terminer, les amis? Parce que ça fait déjà 1 heure, j'adore être avec vous. Mais voilà, je vais tirer quelques cartes encore. J'espère en tout cas que ça vous fait du bien, c'est le but. C'est que vous trouviez les clés en vous. Ouais, je vais prendre ici les mémoires, à la rencontre de nos mémoires. Vous voyez? Mais n'hésitez pas encore une fois à aller voir ma dernière guidance sur les messages énergétiques. D'accord? Vous allez avoir des clés en fait les amis. Si vous n'avez pas été encore la voir ou si vous voulez la revisionner encore une fois, n'hésitez pas. Merci Annecy, c'est très gentil. Alors, on va voir quelle mémoire vous quittez. Quelle mémoire vous quittez, les amis. Les petits chamans. Et nous sommes tous des petits chamans, hein, d'accord? Il n'y a pas de niveau. Le niveau, c'est une illusion. Nous sommes différents et nous avons, comme je disais, des expériences, des vécus différents. C'est juste le niveau de conscientisation, c'est tout. Il n'y a pas de... Mais c'est quand nous sommes prêts. Allez les amis, quelle mémoire vous laissez derrière vous? Oh, j'adore que vous vous entraidez dans le chat, les amis, c'est ça qui est bien. Deb, Deb et Chloé. Et vous tous, j'adore ça. C'est pour ça que j'aime bien faire des lives. Que vous puissiez vous parler entre vous, communiquer. Parce que j'ai une belle communauté. Voilà, j'ai une belle communauté. Vous êtes merveilleux, les amis. Je vous aime très fort. Allez, quelle mémoire vous quittez? Et après, je vous laisse. Vous voyez, mémoire cachée. Il y a des choses qui étaient cachées que vous ne voyez pas encore. Vous avez mis 2 genoux à terre ici. Vous avez l'impression. En fait, d'avoir mis 2 genoux à terre et on vous dit que c'est pas capituler, c'est pas se soumettre, au contraire, c'est reprendre votre force, tel ce chevalier ici. D'accord? Donc, il fallait passer par là. Il y avait quelque chose qui était encore caché, qui n'était pas encore mis en lumière, les amis. D'accord? Je vais vous laisser parce qu'en plus, c'est l'heure. Ok. Écoutez les amis, on va clôturer par une carte de Compostelle parce que je les adore. Et ensuite, je vais vous laisser. La guidance sera en replay. N'hésitez pas à la partager, à la liker pour la gratitude, l'énergie offerte, vous le savez, le temps. Allez. Une dernière carte pour vous. On va en tirer une dernière. C'est ça qui compte, Chloé, c'est que tu aies plus la foi. Le processus reste le même.
Et je vous souhaite beaucoup de belles choses à tous, les amis. Et je vous félicite encore une fois pour ce que vous êtes en train de faire. Bravo à vous. Bravo. Allez, une dernière carte. Une dernière carte. On a la, cette carte qui est tombée. Ouh! Je vais vous la montrer. J'ai l'impression qu'on voit la Vierge dans... Ouais, je sais pas. Vous allez voir une présence ici, une protection, voyez. On peut, vous pouvez la mettre comme vous voulez, selon ce que ça représente pour vous. Et je vais vous lire la carte pour clôturer cette guidance, les amis. Allez. Trésor. Waouh. Vous êtes des trésors, les amis. Vous êtes des trésors. Allez, à vouloir aller trop vite. Voilà, vous voyez, vous voulez aller trop vite. Tu peux oublier de voir les trésors qui ponctuent ta route. Mais c'est extraordinaire. Autant de trésors dont les clés te seront utiles pour résoudre d'autres énigmes, contourner d'autres obstacles sur ton chemin de vie. Tout est juste et à sa place. C'est extraordinaire. Chaque épreuve a son signe, chaque épreuve a sa solution. Les amis, ça résume, mais totalement, la guidance. Je vais vous la répéter. À vouloir aller trop vite, tu peux oublier de voir les trésors qui ponctuent ta route. Autant de trésors dont les clés te seront utiles pour résoudre d'autres énigmes, contourner d'autres obstacles sur ton chemin de vie. Chaque épreuve, tout est juste et à sa place, à sa juste place. Chaque épreuve a son signe, chaque épreuve a sa solution. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je clôture très bien, on clôture très bien la guidance. Je tenais vraiment à vous remercier d'avoir été présent, de tout l'amour que vous me transmettez au quotidien, par message privé, dans les commentaires. Merci d'être là, de votre présence, de faire évoluer la chaîne, parce que grâce à vous, ben, la chaîne grandit, d'accord ? Et je vous en remercie du fond du cœur. Je vous félicite pour le travail que vous êtes en train de faire. Vous œuvrez dans, pour retrouver... vous êtes cette magnifique fleur, les amis, et je vous félicite, voilà. Je vous envoie plein d'amour, de lumière sur vous et les vôtres. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance sur la chaîne. Paix et amour sur vous, les amis. Je vous aime très fort. Merci à tous. Merci. Je prends tout cet amour que vous m'envoyez. Merci, merci. Gros bisous. C'est avec grand plaisir, Frédéric. J'étais ravie d'être avec vous et de partager ce moment avec vous. Gros bisous, les amis. Bye bye.